Quand vous répétiez, vous étiez très sévèrement réprimandé par votre père. Comment ça se passait? What was that like? Pour moi, ça allait à peu près, car il me prenait en exemple. Faites comme Michael. Il nous faisait répéter avec une ceinture dans la main. Si vous loupiez un pas, sûr que... Un instant. Vous venez de dire que lorsque vous répétiez des pas de danse, votre père avait une ceinture dans la main. Il vous corrigeait à chaque faux pas, si bien que dès que l'on répétait, on était angoissé. Parce qu'il était assis sur une chaise avec sa ceinture dans la main. Et si vous faisiez une erreur, il vous corrigeait, sans ménagement. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais c'est mon frère Marlon à qui c'est arrivé le plus. Il avait beaucoup de mal au début. Pourtant, il se donnait à fond. Mon père lui disait, fais comme Michael. Les autres étaient angoissés, moi aussi. Parce qu'il était dur. Frappait-il souvent? Trop souvent. Utilisait-il autre chose qu'une ceinture? Bon, normalement, la vidéo, elle ne s'arrête pas comme ça. J'avais mis un témoignage, donc, d'une mère qui était maltraitante. Et si vous voulez regarder, je vais vous laisser quand même le lien parce que c'est vraiment un témoignage qui est choquant. Après, bon, je ne suis pas dans le jugement, mais c'est vraiment choquant quand même. Faut dire la vérité. C'est un témoignage qui est très choquant. C'est une maman qui a commencé à battre son enfant quand il avait 3 semaines. Parce que, voilà, elle ne l'a pas accepté. Elle a eu, en fait, une grossesse, donc elle avait des jumeaux, elle voulait qu'un seul bébé, donc du coup elle donnait des coups dans le ventre et tout ça et tout, et elle s'exprime bien, hein, donc elle s'est dénoncée. Si vous voulez voir le témoignage, c'est l'émission Ça se discute avec Jean-Luc Delarue, et le titre c'est « Mère maltraitante, comment expliquer leur violence ?» Mais comme il y avait les droits d'auteur, du coup ça a bloqué, voilà, donc je vous laisse tous les liens, mais vraiment, n'hésitez pas à regarder la dernière partie, voilà. Et prenez soin de vous.